Je déguste maintenant le Koval Mille Whisky, qui est produit par la distillerie Koval, qui se trouve à Chicago, aux États-Unis. Une distillerie connue pour la production de whisky utilisant diverses céréales. Donc j'ai hâte de déguster ce whisky, puisque c'est le premier et le seul whisky de Mille qui fait partie de notre collection. De premier impact, ça me rappelle beaucoup un bourbon, mais en restant plus doux et avec des notes de foin et d'étable qui sont bien marquées. Je retrouve un peu la vanille, des fruits comme la poire et la pomme, un peu d'arôme de champignons, quelques zestes d'orange, de citron. Alors, en bouche, la sensation est très très douce. J'ai presque l'impression de pas déguster de l'alcool, sauf que après quelques secondes, je ressens une bonne chaleur qui descend. En arôme, j'ai beaucoup beaucoup de vanille, de caramel qui reste sur le palais. C'est assez agréable, c'est doux, sans l'amertume qui parfois accompagne des whiskies comme le bourbon qui sont un peu amers, surtout pour l'utilisation de fûts neufs pour le vieillissement. Ce whisky qui fait partie de notre abonnement de dégustation est intéressant parce que c'est une céréale que nous ne retrouvons pas en France ou en tout cas dans les whiskies plus communs. C'est donc une expérience intéressante pour voir ce que la céréale, donc l'un des ingrédients principaux du whisky, peuvent donner au produit final.